Plus de la moitié des dépenses des caisses d'assurance maladie provient des frais hospitaliers. Le Conseil des ministres a adopté un certain nombre de mesures pour réduire les dépenses des hôpitaux. Des hôpitaux qui font aujourd'hui figure d'accusés. Des déclarations qui ne satisfont pas les responsables de la Fédération hospitalière française. Des déclarations aussi qu'ils considèrent comme un faux procès à leur égard. Eh bien, sans doute pouvait-on analyser d'un peu plus près, préalablement, les résultats réels des hôpitaux publics. Nous considérons, pour avoir demandé 13,9, que la dépense actuelle ne dépasse pas 13,8, et même le nombre de journées a diminué de l'ordre de 3%, c'est-à-dire que nous avons réduit de 3% l'hospitalisation en un an. Les durées de séjour des malades dans les hôpitaux ont également considérablement diminué, passant de 20 jours il y a 10 ans à 12 jours maintenant, et pour les grands hôpitaux, les 30 centres hospitaliers universitaires, nous ne sommes qu'à 9 jours, toutes disciplines réunies, et par conséquent, nous récusons formellement l'accusation qui nous est faite, n'est-ce pas, d'être les fossoyeurs de la sécurité sociale à cet égard.